La première édition du championnat de vacances dénommé La Griffe du Neuf, dédiée à l'international camerounais Samuel Eto'o fils, a débuté ses activités ce samedi 22 juillet 2017 avec en ouverture le match opposant Antalya Sport de la Cité des Palmiers, vêtu de rouge, contre AS Komondo en jaune noir. Et pour rehausser l'éclat de ce championnat de vacances, l'international Jean de Makoun a chaussé les crampons. Le coup d'envoi de ce match inaugural a été donné par le commissaire de police du 11e arrondissement de Douala, dans un stade du lycée de la Cité des Palmiers plein de spectateurs. Après 20 minutes de jeu, très équilibré de part et d'autre, finalement, AS Komondo va ouvrir son compteur de but à la 26e minute. 10 minutes plus tard, le second but sera inscrit. 2-0 à la première période, les protagonistes seront envoyés à la pause. À la reprise, AS Komondo va définitivement cuire les carottes à la 80e minute en marquant son troisième but. Score final, 0 pour Antalya contre 3 pour AS Komondo. C'était là, c'était on s'en tenait pour le champion, le AS Komondo. Déception côté Antalya Sport. On a fait le maximum d'efforts pour marquer, on a beaucoup raté et puis le stade nous a beaucoup menacé. Sergent Makoun exprime ses motivations. Mais quand vous voyez juste l'ambiance, je pense que c'est très important de donner à ce genre de match et être avec les frères comme ça. C'est très très important et c'est les vacances, donc ça fait plaisir à tout le monde. Je pense que tout le monde est content. C'est dans le but de réunir les jeunes que ce championnat de vacances a été créé. Nous avons 12 équipes, le tournoi se joue sur 40 jours, on va dire ça comme ça. Et la cagnotte est d'un million de francs CFA pour le champion et de 500 000 pour le vainqueur de la coupe et 200 000 pour le perdant de la coupe. Et avec des meilleurs buteurs, meilleurs joueurs et fair play qui seront primés avec la suite. Les jeunes venus de plusieurs quartiers de la ville de Douala vont s'amuser à travers le football.